Nouna. Oui. Est-ce que je peux te tenir la main? Non, tu me touches pas, Lucie. Oh. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Moi, j'aime allonger. Oh bah dans ce cas, viens, on s'allonge tous les deux. Mais ça va pas, petit pervers, casse-toi. Oh mais allez, on pourra faire une sorte de pudding. T'aimes pas le pudding? Oh si, j'adore, mais pas avec toi. Est-ce que ça t'a fait mal quand tu es tombée du ciel? Non mais toi, tu fais vraiment des phrases de drague nulles. Ouais, c'est une de mes qualités. Waouh, c'est fou, là je vois deux fleurs. Où est-ce que tu étais hier soir? Ah, je vais réessayer. Waouh, je vois encore deux fleurs. Je vais te poser une question. Ah, je vais re-essayer. Waouh, je vois encore deux fleurs. Je sens que tu me caches un truc, là. Oh, c'est parce que je cache plein de fleurs dans la chambre, rien que pour toi, ma chérie. Non, je sens que tu n'es pas franc avec moi. Ah bon? Eh oui. Je serai toujours franc avec toi, tu sais pourquoi? Non. Parce que je t'aime, ma chérie. Vas-y, fais-moi un petit cœur. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Un cœur. Je trouve que t'as changé. Bah ouais, c'est normal. Tout le monde change, on vieillit. Ensemble, quoi. Mais ouais. Moi, je veux pas que tu deviennes un vieux fripé. Mais tout le monde devient des vieux fripés. Ah bon? Bah ouais. Bah dans ce cas-là, je vais demander le divorce. Ah bah d'accord, super. C'est ta faute à pas avoir trouvé l'autre jouvence. Et regarde la complicité ultime qu'on a. Vas-y, donne ta main. Non, pas comme ça. Tu fais exprès, wesh. Voilà. Ouais, super complicité. Bonjour. Bonjour. Quel âge as-tu? Attends, faut que je compte. 1, 2, 3 ans. Et toi? J'ai 5 ans. Je suis plus âgée que toi. Comme les doigts de la main. Mais t'as pas l'air vieux. Bien sûr que si. Non, pas du tout. Moi, je te dis que si. Ne crie pas. Mais c'est toi qui crie. Maman. Papa. Oh, trop bien, une réunion de famille. J'adore les réunions de famille. On va encore parler de moi parce que je suis la star de la famille. Et ouais, c'est ma fille. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais pas mal de musculation. Et là, je vois que mon frère Bang Chan, eh ben, il m'a copié. Il a la même carrure que moi, mais à 5 ans. Ah, mais c'est parce que c'est génétique. Fais voir, papa, tes gros muscles. Oh, me touche pas, ça s'est un petit peu dégonflé avec le temps. Allez, viens ici, ma petite. Et toi, dégage, wesh. T'as juste semé la graine. Moi, je l'ai portée pendant 9 mois. Hé, Nouna, tu sais pas où t'asseoir? Peut-être sur toi. Oh, mon fils, il va choper ce soir. Yes! Allez, Nouna, viens t'asseoir sur mes énormes cuisses. Wesh, mais je reconnais, c'est une position de séance de pudding. Ah, maman, mais ouais, je suis ta fille, dis pas ça. Bah, à ton avis, comment t'as été conçue, hein? Est-ce que t'aimes les mecs bien musclés? Oh oui, j'adore. Ça tombe bien, je suis super musclée, regarde. Wow. Bonjour, je suis la super belle Ayen. J'adore écouter la musique. Et est-ce que t'aimes faire autre chose dans la vie? Ouais, j'adore faire du sport. Oh mais ouais, t'as le dos musclé, je peux toucher? Bah ouais, vas-y. Ça c'est mon fils. Ouais, presque aussi musclé que le mien. Mais doucement, y'a des hôtels pour ça. Bah c'est bon, j'ai fini. Salut, je suis Changbin. C'est mon fils super musclé. Ah ouais, avec ses gros pectoraux. Oh merci, ça me touche. Droit au pectoral. Ça pourrait toucher autre chose. Un quoi? Un truc plus bas. Je suis sportif de mon lycée parce que je suis trop musclé. Oh, fais voir. Ah oui. Touche pas, sinon on va croire que je suis pédo. Ouais, elle a 3 ans. Non mais t'as pas honte, sérieux? Regarde ce que ma fille fait à cause de ton fils. Maintenant tu t'excuses. Pardon. Oh, toi, je vais te choper quand je serai plus grande. C'est déjà une grosse dragueuse comme sa mère. Attends, c'est à moi que tu parles là? Ouais, exactement. Bah tu sais quoi? Bah là, ma fille, elle va se présenter. Salut, je m'appelle... Young Bob. Elle sait même plus comment elle s'appelle. Et j'ai... 1, 2, 3 ans. Et regardez, c'est beautiful. Et arrête, ça va salir le sol. De toute façon, c'est toi qui vas nettoyer. Ah, d'accord. Arrêtez de vous disputer. Mais non, t'inquiète. Enfin, on va divorcer, mais t'inquiète. Est-ce que tu pourrais nous chanter une chanson? Oh my god. Oh my god. Oh, elle est trop mignonne. Salut, je suis Lino et je suis la maman de Young Bug. Ma maman m'a dit que tu étais stricte. Hein, moi stricte? Redis ça, je te mets au coin. Ah bah, la preuve que oui, hein. Est-ce que vous voulez que je vous remette un pain, hein? Ouais, comme la dernière fois. Non, ça va, je m'en souviens. Vous voyez cet homme-là? Eh ben, il a un bon instinct de survie. J'ai déjà engagé un avocat spécialisé dans les divorces. Oh! Mais pourquoi tu veux quitter maman? Mais c'est parce que tu n'aimes plus ta femme? Essaye de vivre avec elle. Ça me donne pas trop envie. Bah dans ce cas-là, pourquoi vous êtes mariés tous les deux? Nous? Bah pour l'argent. Non mais sérieux? Bah oui, l'argent c'est cool.
Ah oh, mais en fait, vous êtes des grosses chouins, hein. Alors elle est plus une chouin que moi. Chouin. Salut, je suis Han. Et je suis le père de deux bébés super musclés. Je pense que tu les dopes. Et je voulais savoir, est-ce que hier soir t'as été voir la fille que je t'ai présentée, hein. Mais de quoi tu parles? T'as été voir une fée, c'est ça? Oh mais non, mais pourquoi t'as dit ça devant notre mère? Ils vont se battre. C'est pas ça. Vas-y, explique-moi. Oui. Et ne mens pas. Non mais attends, tu lui as pas dit. Je pensais que tu l'avais dit. Mais ferme-la, toi. Est-ce qu'elle était plus jolie que moi? Mais maman, c'est toi la plus jolie. C'est vrai. Si tu me trompes, je vais aller avec lui. Oh, doucement. Maintenant, c'est ma femme chérie de passer. Oui, ma tante, oui. Maman, ouais. Oui, ma tante, oui. Je m'appelle Yunjin et je suis la plus jolie de maman. Maman, ouais. Et moi, je le savais depuis longtemps. Que tu es la plus belle femme. Oh mais non, en fait c'est toi. Oh mais petit charmeur, va. Tu fais quoi dans la vie? Oh et ben en ce moment je fais des dessins abstraits. Ah, comme le visage de ton mari. Pas de ma faute, je me suis trompée de mur pour aller à Poudlard. Et maintenant c'est au tour de mon fils Chan. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Chan et je préfère maman. Mais pourquoi tu préfères maman? Bah parce qu'elle est plus jolie. Tu voudrais pas plutôt parler de ton père, hein? Papa, il voit des putes le soir. Hier soir, il m'a dit, tiens, secret, tu dis rien. Alors c'est pour ça que je vous le dis. Ah bah ouais, logique. Et regardez, j'ai un ordinateur, mais je peux pas aller sur les sites secrets de papa. Bah heureusement, t'as 5 ans, t'es trop jeune. Enfin, papa n'a aucun site secret, voyons, je suis très sage. Une fois, maman m'a dit, papa est un mytho. Ah oui, je le pense toujours, hein. Ouais. Hey Young Bob, tu veux pas son ordinateur, hein? Non, il est nul, moi j'ai un téléphone. Il est super mon ordi. Un ordi, c'est un jouet. Non, c'est nul. Chan a 3, 5 ans. Hey Chan, va t'asseoir à côté de ta cousine là. Non, je veux pas. Bah pourquoi ça? Parce que elle me fait peur. Mais qu'est-ce que tu dis, elle fait pas peur? Allez viens petit, allez viens viens viens, allez viens. N'aie pas peur, t'as plus de muscles qu'elle alors que t'es plus jeune. Allez viens petit. Bah voyons, je vais pas te manger. Bah pourtant on dirait que si. Regardez papa et maman, je fais un rond. En tout cas, j'adore cette réunion de famille. Parce que je suis une restar. Perso, je suis venue juste pour toi. Ah, il est collant celui-là. Et accepte les avances de mon fils, toi. Tu ne sais pas que les vraies stars se font désirer? Bon, c'est pas tout, mais nous, on se casse. Allez. Moi, je dois faire un concert à mes doudous. Moi, je dois faire encore du sport. Et moi, je dois... rien, en fait. Mais j'ai rien à faire. Le chômage, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu mes petits skies. Et maintenant on va voir si Super Nanny débarquait chez les Stray Kids. Abonne-toi à la chaîne et mets des pouces bleus aussi. Commente, partage. Si c'est moi qui dis alors faites-le. Abonne-toi mon petit army.